que Moé est assez réputé, c'est pour ses parents un peu qui bougeaient énormément. Ça capte de loin le son ou pas? Bien sûr. D'accord. C'est une perche de cinéma multidirectionnelle. Waouh. Wow. À ambidextre opposé. Et alors, la marque, le nom, le modèle? C'est une Rode. Ah. Non. Ah, bon, ça, bah. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Bon bah. Mais qu'est-ce qui prend lui? Putain. C'est hier, putain. Première fois pour Seb. Il y a des choses gore. Enfin, il y a des choses. Mais pourquoi il s'est rapproché comme bah, ça? Parce après, c'est un film de. C'est bien, Seb. C'est bien. Il joue sur les hauteurs, c'est tout ça. Et... Là, je suis aussi grand qu'Ulysse là. Il est sur la caméra, c'est possible. Ça fait longtemps que j'étais pas sorti d'un film en étant énervé de l'avoir vu. Genre, j'étais énervé de voir ce film. Je voulais t'inviter Kev Adams dans la troupe, bah du coup, je vais lui dire que Ulysse n'est pas d'accord. Kev Adams, je suis allé dormir avec lui. Tu la vois, t'y toucheras jamais. Je peux te dire que j'ai pas dormi de la nuit. Sullivan, après qu'il soit parti à Pétain, mais j'en ai rien à foutre de la bite de Kev Adams. GTS. En fait, je fais de la pub. Gate in Studio. Ça, c'est vraiment pas drôle. Non, c'est pas ça. C'est très bizarre. C'est pas ce que tu crois. Parce qu'il y a cet enculé de soleil là-haut. Il a mis un trou. Je m'appelle Thomas. Et toi? Tu t'appelles Canon HD Video Lens. Si éventuellement tu avais un numéro de série. Attends. Ah. T'es en train de la faire pencher là. Ouais, je sais, mais je me penche aussi comme ça. Merde. Il se passe. Mais j'étais en rancard là. Que qui? Je veux te voir en action. Bon, tu fais quelque chose là? Il y a au moins 3,50 m derrière. Tu sais que si on échange nos vies, on va échanger aussi nos corps et nos âmes. Si on échange nos corps et nos âmes, ouais. Ça veut dire que je serai plus beau enfin. Que je deviendrai une petite fille. D'ailleurs, tu viens poser la question, Seb, toi t'as ton bac. C'est oui, mais en fait, non. On dirait Macron. Oh là là. Oui. C'est une question assez pertinente, en effet. Et c'est bon, cette astuce pour gagner du temps. Que Yann nous manque. Et ne rien dire. Parce qu'en fait, il y a un jeu qui s'appelle GTA. Ah, GTA 5. GTA, non, non. C'est ça. Hier, j'étais à Mantes. J'étais à Mantes hier. J'étais à Mantes. Les États-Unis, c'est. GTA 4, au niveau de la critique, au niveau de la satire du système américain, il n'y a pas de meilleur jeu ce niveau-là. Non, même. C'est un jeu où on tue des gens. Oui. Quand ils jouent dans des trucs vidéo. Ah, mais pour moi, le jeu vidéo, c'est le 10ème art. L'écriture. Après, le gameplay, peut-être que ouais, on peut en dire des choses. Hein. Mais moi, je parle vraiment. Contexte. Bon, je vais peut-être un peu loin, vous allez me dire. Mais c'est vrai que voilà. C'est... Non, moi, il y a des certains jeux qui. C'est lui qui me fait rire. Hier soir, quand j'ai parlé à Elio en webcam, il était tout nu. Oh, là, c'est très sympathique, très gentil. Ça va faire la cinquième fois qu'on le dit. Et voilà. Oui, mais il faut le dire. Très bavard. Toujours la petite ligne comme ça qui nous fait rire, qui nous fait sourire. Il nous fait beaucoup rire, mais il parle beaucoup. T'as vu, quand il parle, on peut plus l'arrêter. C'est... j'ai dit quelque chose de drôle. Ah oui, là, par exemple. Si, c'est quelqu'un de très gentil, encore une fois. Comme Yann, au final. Ouais, c'est discutable, mais on va pas dire ça devant cette caméra. Le sourire à la radigue. Oui, mais c'est normal. Décalé ta table. Décalé katane, décalé katane. Putain, Radig, tu viens, tu fous. Alors ça recommence. Il refout la merde, il a cassé la langue. Oh non. Ça le fait rire. Ah, c'est trop drôle, non mais j'imagine. Arrête de me toucher. Bonsoir. On a rencontré donc Andreas, qui je trouve, c'est un. Il est très gentil, Andreas, hein, vraiment. Adorable. Un peu bavard. Mais... On l'avait pas dit ça encore. Extraverti, non. Le moment où aucune forme de vie intelligente. Et putain, mais c'est pas un doubleur normalement. Et... Alors vous arrêtez, s'il vous plaît. Bonjour, Jackie. Bonjour, Jackie, c'est ça. Bonjour, Jackie. C'est un pote à Michel. Ok. Clash of Jackie, il dit que bien sûr. Tant les gens qui parlent, bien sûr. Mais après. Gentil. Donc du coup, là, en fait, on va rien entendre. Mais c'est ce que Clash of Jackie disait. Bonjour, Clash. Bonjour, Clash. Seb. Ouais. Ta gueule. Ta gueule. Et après, Clash of Jackie va dire que même mes acteurs me respectent pas. Ah oui, et si Malaise TV passe par là, on vous emmerde. Bonjour, Malaise. Voilà. C'est tout. Regardez-le. Il est trop mignon. Non, je rigole. Seb Covio, merci et on t'aime, cœur sur toi. Voilà. Déclaration d'amour en direct, c'est parce que j'adore Seb et j'aime Seb. Et j'aime Seb aussi. Et Yann. Et pas Yann. Bonjour. Ah bonjour. Malaise TV. À être un peu égocentrique, ça y est, je suis comme toi, maman. Antoine, ayant perdu sa voix, ouais. Très gentiment, tu connais. Je vais te prêter la mienne. Connerie. Ah, mais il l'a toujours pas rendu. Alors du coup, je me trimballe avec la voix d'un autre. J'ai pas l'air très crédible comme ça. Imagine. Juste imagine. Ouais. Ah ouais, Seb. T'es vraiment quel connard. Je te fais confiance et tout. Et toi, t'as tous les...
Ouais, mais va jouer Hamlet. Mais trouve pas ça, frère. Ça n'est la question. Je fais la pute. C'est tout ce qui reste de Marine Le Pen après son passage à Mantes. Quoi? T'as pas moyen de bosser. Je peux avoir un retour. Ah, tu me filmes? Tu me filmes? J'ai pas fini le droit à l'image. Oh merde, putain. Thomas. Je ressemble à ça? Oh non. Oh non. Je vais faire le bibi, hein, tu... Ah, connard. Tranquille. Ouais, bien, et toi? Tu vois là-bas, là? Ouais, il porte bien, mon petit chat. Il est très touffu. Tiens, ça me fait penser à... à Natacha. Chat. J'ai bavé. Ah écoute, un qui va t'a... Aïe, oh putain. Il avait un truc dans le cul, c'est ah oui, il y a une natte. Ah, ça fait vachement mal. Ça t'habitue. Non, en fait, c'est ça qui me fait la défaite, ouais. En fait, hein. Tu t'appelles Andreas, donc t'es dans la troupe, plus ou moins. Alias Jacques. Comment est-ce que tu te définirais en quelques mots? Ah bah ça, je sais pas. C'est... Super. J'ai... Oui, c'est une perche de cinéma, elle capte tes sons gastriques. Donc voilà, c'est la courte. Ah, oui, je suis gentil. Hein. Que... Ah, bah oui, ça vaut pour les. Est-ce que j'ai oublié de préciser que j'étais gentil. Hein. Voilà, donc... Moi, je suis regardé cette vidéo, merci à tous. Et voilà, à la prochaine pour un autre making-of aussi con. Aussi mal foutu. Suffisamment de gorge profonde à ma perche pour. Du coup, c'est quoi une gorge profonde? Ah, Elio, Ulysse va te montrer. J'allais te pleurer, mais je sais pas. Oh putain! Je rends l'antenne. Ouais. Coupé. Ok. Cela-ci, ben merde. J'ai dit cela-ci. Tu nous bafouilles, tu nous fais du Maxime des gens. Ah, c'est pas facile de regarder ses lèvres à lui. Mais ça coûte la peau des yeux! Merde, la peau des. Quoi, bêtisier. La peau des yeux. Je suis trop con. Ça s'appelle les paupières. Coucou, comment ça va-t-il? Genre les délires d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? On est ici les Moulineaux, près de mon lycée. Bonjour. Quoi? Et on vient de manger. Ça s'empêche de nous filmer. Hein. On vient de manger 20 milliards de trucs. Oh putain, c'est un dalleux, il a bouffé deux magasins entiers. Deux restaurants, un japonais, un kebab, un McDo. Bien sûr. Non mais regardez ça, ce désastre. Vous voyez ce qu'il me fait manger, Seb? J'ai mangé du McDo. C'est non mais, choisi, hein. Il m'a pris pour qui? Oui, on a été en Grèce en... T'en as pas pris beaucoup en tout cas. Ah, c'est drôle ça, énorme. Tu couperas, hein, parce que là c'est... C'est bien comme ça, je suis en contre-jour, on voit pas trop. Et bah on se... Voilà, on filmait des trucs. Du coup, il y avait une caméra et on se... Regardez, ce chien est mort. Ce chien est mort de l'extérieur. Et les gens, vous savez ce que fait Elio avec les pigeons quand on mange? C'est un ouf, hein, quand même. J'aime bien manger, moi. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Oh, j'adore. Si je peux, je pourrais manger ça toute ma vie. Putain, j'avoue, c'est drôle. Ah non. Je t'ai dit, la prochaine fois, faut interroger des gens dans la rue. Putain, regardez où j'en suis arrivé. Je bouffe des vers de terre. Je suis devenu une putain de poule, les gars. C'est pas possible, ce pays. Faut que je change. Y'a plus rien à bouffer. C'est la crise. Bonjour, Jean. Ouais. T'as trouvé à manger? Non, je cherche aussi. Hey Dimitri? Ouais, on est là, gars. T'inquiète, on cherche avec toi, y'a pas de soucis. Putain, moi je vais voir sur le bitume, hein, on sait jamais, peut-être des frites qui traînent. On sait pas, hein. Ouais, vous avez raison, allez chercher sur le bitume, les gars. Nous, on reste dans l'herbe. Oh putain, j'ai trouvé un truc. Ah non, c'est vrai. Bon, bah, je vais chercher sur le bitume, hein, aussi. On va tous se casser dans le bitume. Bonjour. Oh, bonsoir. Pardon. Yo. Ça va? Pour déconner, elle est même pas au courant. Non, je ne sais pas zoomer. Bonsoir. Oh, c'est sur la guitare ça. Ta-na-na-na. Et oui. Ah mais c'est pour ça que c'est le royaume des pigeons. Ils voient un pigeon sur le A, ils se disent oh putain, c'est notre endroit. C'est notre. Ah moi je pensais que c'était plus recherché psychologiquement. C'est qu'il y a des oiseaux dans les. Ou champs, pigeons. Ça c'est mon genou ça. Plutôt que KFC. Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Ah, les fois, ça vous dit, on va aller au McDo là. Moi j'adore les McDo. Hein. C'est vraiment ma bouffe préférée. Après, on va au KFC. Parce que quand même le cas. Quoi? Oh mon dieu, un hélicoptère! Envoyé spécial! Putain, on dirait une mouche sur le. Quand c'est filmé! Nous sommes en direct du lycée! Oh bah il y a encore cette merde! Cette merde, c'est toi qui me l'as offert! Offerte! Je parle français quand même! Cette merde, virgule! Le COD est placé devant, c'est ta gueule!
parlant français là, ou je parle pas français moi monsieur. J'y suis d'un pays très très loin. Mais tu fais avec, quoi là, avec tu une discrétion. Percée, tu fais un contre-champ. Mais non, je fais pas un contre-champ, c'est pas ça un contre-champ. Non, mais gros, c'est très bizarre ce que tu fais quand même. Je te déteste. Oh putain, t'es tout petit. Ah non, pardon, c'est en. Même en vrai. Waouh. Ça rend grave bien. Hein. Ça rend tellement bien. C'est ça, je voulais te le prendre de ce côté-là, oui. Parce que le téléphone, il filme plus rapidement. Ça veut rien dire, mais... J'en connais encore un qui va finir au zapping. C'est ça. Ce que je filme n'est pas la même chose que ce que je vois. C'est pour la même chose. Là, ça s'arrête et ça repart dans l'autre sens. Enfin, ouais, on dirait que oui. C'est ça, mais c'est pas ça. Ouais. Nous sommes où exactement Ici, les Moulineaux. C'est ma ville. Non, mais non, mais non, 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 non. Tu t'accroupis pas, s'il te plaît. Non, non, remonte sur le. Mais oui, mais je suis trop grand. Non, je suis trop. Truc. C'est encore pire. Pourquoi? Mais parce que t'es à genoux en train de me filmer. C'est genre hyper bizarre. Mais j'ai pas de trépied. On fait pas un POV, gros. Hein. On fait quoi? Un quoi? Un quoi? Je sais pas. T'as dit quoi? Un rien du tout. Mais ça, c'était filmé, donc de toute façon, je l'aurais. Un VOP? Un POV, oui. Un POV? C'est quoi? Un pauvre? Ouais, un pauvre, ouais. Mais c'est quoi? Mais bah, explique-moi, mec. C'est c'est un challenge. Le POV challenge, je connais pas. Bah non. Je te laisserai chercher, hein. Mais tu te pauvre, mets en... Mais je fais quoi? Pauvre challenge? Tu te mets en private. Tu te mets en recherche private pour pourquoi chercher un pauvre. Comme ça, y a pas de suivi, y a pas d'historique. Tout tu me fais peur, je veux pas chercher ça, ça a l'air risqué ton truc, y a encore des dragons. Mais combien de kilos, Elio? 8 kilos. Putain, bah, je sais pas où vous les avez mis, mais apparemment. Dans mon cerveau, j'ai un gros cerveau. Et une grosse. Donc réponds-moi par oui ou par non. Ouais. Ça se fait à seul ou à deux? Par oui ou par non, je peux pas répondre. Ça se fait seul? Non, ouais. C'est en first person shooter. Donc tu, quoi? Tu vois que les mains de ton perso et tu vois pas ta tête. Ça va, on a compris. Si j'ai mes mains. Voilà, on a ça. Bonjour Léo, ça va? C'est ça, tout à fait. Mmh, je bois du coca. C'est oh, c'est bon. Ça.